On va pouvoir lancer le record YouTube. Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de la course du A1 Ring, du Red Bull Ring maintenant, comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Red Bull Ring. On s'est qualifié 9e, juste devant Pierre Gasly et juste devant Esteban Ocon. Donc on est bien. Malheureusement, on s'est qualifié 9e, donc on va pas pouvoir changer les pneus. Tout comme Gasly, mais Ocon va pouvoir... Eh bah écoutez, on va passer à la course. On va passer à la course. Et puis, puis voilà, on espère gratter des puntos encore. J'ai pas regardé, putain, on est... J'ai pas regardé combien on était au classement général. Après notre dernier Grand Prix. Je vais pas spoil parce que il n'est pas sorti sur YouTube. Alors stratégie. On a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. Alors moi je suis désolé les gars, mais je suis team changer de stratégie. Et en fait ce que je veux c'est relais 2 et je veux finir en soft. Voilà ce que je veux faire. Je pense que je serais plus à l'aise comme ça. Ah quoique, attends. Attendez. Vous savez quoi, on va faire confiance à notre écurie. Parce que c'est vrai que le dernier run, il va être long. En fait, ce que j'ai peur, c'est que les gens derrière fassent ce que je veux faire. Sauf qu'eux, ils vont commencer avec des médiums. Donc en gros, ils vont faire médium, temps, tendre. En gros, j'ai envie d'avoir des tendres en même temps qu'eux. Ah, je suis plus chaud qu'on tendre comme ça. Hein. Je suis plus chaud qu'on tendre comme ça. Non, je veux clairement pas de... Ça me fait chier. Je fais ça comme ça. Hein. Ah, ils vont apparemment pas tenir. Est-ce que je les tiendrai pas en 16 tours? Non, allez, vous savez quoi? On va faire confiance. On va faire confiance à nos stratèges. Et puis voilà, on va y aller. On va y aller les mecs. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour la course. Il est pas trop mal parti. On est pas trop mal parti. On a gardé notre position. On s'est fait doubler par je sais pas qui. Waouh, j'ai oublié qu'il y avait le trafic. Excusez-moi, erreur de débutant. J'ai oublié qu'il y avait le trafic. Et sur Ricardo. Et on gratte une position. Ah Gasly, c'est Gasly qui est parti. J'avais vu quelqu'un partir bien sur le côté. C'est Gasly. Gasly qui était parti 10e, hein. Je
suis large. Gasly qui était parti 10e. Ah ok, bon. Alors ok, je ne dois pas mordre. Je ne dois pas mordre ce virage, très bien. J'ai tellement peur de foncer dans les gens. Ricardo, va falloir que je me décale ou pas. Il va tenter à l'extérieur, il va pas pouvoir. Ok, j'arrive à résister contre Ricardo. Ok, c'est chaud. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Oh, il y a Verstappen qui s'est raté. Il y avait Verstappen qui s'était raté. Et meilleur tour dans le premier secteur. Enfin, meilleur temps dans le premier secteur, pardon. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Bah moi aussi ça va en vrai là. Plutôt fier là. Et tout le monde a le DRS de tout le monde. Faut que j'arrive à me mettre à l'abri de Ricardo là. Oh là là, sur Gasly, sur Leclerc. Il va mal ressortir. Ah mais moi aussi. Meilleur temps en temps encore dans le premier secteur. Et regardez, Leclerc il a plus l'aspi. Ouah, c'est pas propre, c'est pas propre. Je peux pas passer là-dessus. Je peux pas passer là-dessus, c'est pas propre. C'est pas propre, c'est pas propre. J'améliore mon temps dans le deuxième secteur. Mais plutôt bien, on est plutôt bon pour l'instant. C'est chaud, hein, c'est chaud. Sur Leclerc. Ah, je voulais croiser, putain. Et du coup, je vais me faire bouffer par Ricardo. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Allez, on résiste à Ricardo, il reste derrière Ricardo. Là. Putain. J'avais fait exprès de...
J'avais fait exprès de freiner plus tard pour que truc pour qu'il puisse me pour que je puisse le passer. Et du coup Ocon avec des pneus neufs lui hein, qu'il a pu changer ses pneus, il va me passer aussi. Putain, avertissement de sortie de route en plus de ça. Ouais, laisse-moi revenir au moins. Allez, je croise. J'aurais dû passer à deux. Ah, je fais de la merde. Putain, il me propose de changer de stratégie, mais... Putain, j'ai perdu tellement. J'ai plus d'aileron. Ah, j'ai plus d'aileron, putain. La collision avec Leclerc, j'ai plus d'aileron. Je crois que j'ai abîmé mon aileron, sa mère. Bah automatique, logiquement ça doit le faire. Putain, non. C'est fait, fonce. Ah les mecs, je suis dégueulé, je suis désolé. Les mecs, je suis 17ème. On va tenter une remontada. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. J'ai glissé. Faut pas que je prenne trop large. Je veux vraiment prendre large mon virage là. Mais faut pas trop que je le prenne non plus le. Parce que sinon ma voiture glisse. Putain, c'est sur la fin du vibreur en fait. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais, Mazepin devrait être viré, ok. Je savais pas. Ok, on a amélioré notre deuxième secteur.
voiture qui nous précède est de 2,5 secondes. J'ai glissé au premier virage, là ça s'est senti. Oh putain, j'ai appuyé en voulant, excusez-moi, en voulant redresser la voiture, j'ai appuyé sur sur flashback. J'aurais dû mettre des durs, je pense. Nord dans l'herbe. Ouais, je sécure. Hein. Ok, c'est bon, c'est fait. On s'est débarrassé des deux as. Le clear est au stand. Ça commence à s'arrêter, hein. Oh non, le clear n'est pas au stand. Ah ok, d'accord. Bon allez les mecs, est-ce qu'on va réussir ? Ah, j'ai pas fait de prédiction, j'aurais dû faire une prédiction. Genre, est-ce qu'on va marquer des points? Attendez, je vais la faire tout de suite. Vous savez quoi? Je vais la faire tout de suite. Vous aurez une prédiction pour gagner des points de chaîne, pour mettre des émotes et tout ça. Slash prédiction. Hop, je vais vous faire ça tout de suite. Regardez, hop, slash prédiction. Alors, slash prédiction. Attendez. Slash prédiction. Vais-je marquer des points? Des points. Toi, quand ça marche, putain, merde. Oh pardon, excusez-moi pour le micro. Pourquoi je peux pas changer le titre de mon truc?
Attendez. Excusez-moi, hein, on coupe, mais on se permet, hein. On se permet. Putain, mais pourquoi je peux pas? Pourquoi est-ce que je peux pas? Attendez, putain, je sais plus. Bon, attendez, bon, ouais, vous savez quoi? Attends, je sais plus faire la production. C'est quoi cette merde? Toc, 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 toc. Gérer, du toc, toc. Oh merde, je sais plus faire. Je sais plus faire, je sais plus faire, je sais plus faire. Putain, comment on fait? Je sais qu'il faut faire slash prédiction, mais attendez. Mode lent, nanana, nanana. Ah putain, attendez. Attendez les mecs. Vous savez quoi maintenant qu'on est dans la sauce? Est-ce que je vais marquer des points? Attendez. Alors. Attendez, parce que je débute, hein. Comment faire une prédiction, putain? C'est pas compliqué. Attendez, c'est gestionnaire de stream. Attendez, j'arrive. Ça a été énorme. Ça, je vous jure, ça a été énorme. Paramètres. C'est pas ça. Putain, merde! Parce qu'en fait, j'ai l'ancien truc. Attendez. Attendez! Portefeuille. Non. Tableau, studio, chaîne. Au secours. Mais putain. Moi, je veux supprimer cette prédiction. Comment je fais pour supprimer l'ancienne et comment je fais pour faire la nouvelle? Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, attendez, attendez. Par exemple, vais-je. Alors, oh là 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 là. Vais-je marquer des points? Hop. Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Comment c'est la prédiction? C'est bon les mecs, vous avez 30 secondes pour prédire. Oh putain, je tape dans le micro, je suis désolé. C'est bon les gars, vous avez 30 secondes pour prédire. Donc à où? Toc, toc, toc. Attendez. Pourquoi c'était pas... Eh, ça a pas fonctionné. Non, attends, je vais faire plus. Je vais mettre plus. Attendez. Slash prédiction. Attendez, excusez-moi pour cette coupure. Hein. C'est navré, hein, mais je débute dans le streaming. Hein. Mais je vous jure que ça va être énorme. Je jure que ça va être énorme. Attendez. Slash prédiction.
Toc. Vais-je marquer des points? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Hop. Voilà, vous avez 5 minutes pour voter. C'est parti. Ok, excusez-moi. Putain, je me suis dit, étant, est-ce qu'on ferait pas une prédic et tout, ça serait énorme. Bon, allez, c'est parti. Ah, mais du coup, attendez, je suis plus dedans. Je suis plus dedans, je me remets dedans. Salut Tommy, comment tu vas? Ok, tout le monde rentre au stand. Alors, ils sont là, ils prennent tous des pneus soft. En plus, ils sont... Les pneus sont... sont neufs. Bah écoute, ça va super. Ça, super, comme tu vois, on est là, petite course de F1. Esteban est au stand. Sur la voiture de devant est de 3,6 secondes. Ouais, je sais, Sora me l'a dit. Sora me l'a dit, je viens de le savoir à l'instant. Donc on y revient. Ils ont tous des pneus. Putain. Ils ont tous des pneus soft. Fait chier. Putain, les pilotes de F1, ils sont quand même bien payés, hein. On parle de beaucoup des joueurs de foot, mais ils sont quand même bien payés, hein, les pilotes de F1. Bon, coach, je vais pas le gêner plus que ça. Il va me passer là. Est-ce que je lui laisse la... Voilà, je lui laisse la voie. Moi, je suis pas un bâtard. Je vais pas faire comme ce qu'il m'a fait la dernière fois. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. J'aime bien l'enchaînement de fin, là, et celui-là. Il est super dynamique et tout. La deuxième partie du circuit, je la trouve grave, grave cool. Putain, seulement j'avais pas touché avec Leclerc en début de course, quoi. Je te jure.
Ils ont des salaires, laisse tomber. Si j'arrive à rester dans la roue d'Ocon, franchement c'est lourd, hein, parce qu'il vient de changer des pneus. Je suis en jaune, il est en rouge, il vient de les changer. En plus, ils sont neufs comme un... comme un sous-neuf. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres choses. Mais si j'arrive à rester dans les roues d'Ocon, là... là, je fais de la merde, là. J'arrive à rester dans la roue d'Ocon. Je suis passé 11e. Oh, il y a Gasly devant. Ah, il y a Gasly devant. Putain. Oh, je regrette tellement mes... mon erreur sur Leclerc. Parce que là, je tourne bien là. Là, je tourne bien, j'arrive à tenir Ocon, j'arrive à tenir mon coéquipier alors que mes pneus ont je ne sais combien de tours. Ouais, je commence à forcer là par contre. Je commence à forcer de ouf. Je force trop, j'ai pas les... Je force trop. Je vais essayer d'avoir le DRS là dans la ligne droite prochaine. Ça se bat. Et malgré ses pneus usés. Ah, j'ai dit malgré ses pneus usés, j'arrive à avoir le meilleur à améliorer mon temps dans le premier secteur. Il y a une belle bagarre entre les Français là. Trois Français. On a le DRS. Ocon, il n'est pas à l'aise là avec ses nouvelles gommes. Je sais pas ce qui se passe, mais Ocon, il n'est pas à l'aise. Les pneus rouges qui ne fonctionnent pas. Parce que même moi avec mes anciens, mes vieux jaunes de 10 tours. Ah putain, faut que j'arrête de parler. Je vais te montrer ça. Voilà l'usure. Ocon, il a des pneus neufs et rouges, hein. J'ai des pneus usés et jaunes. Et il n'arrive pas à s'échapper. Ah, on va regretter, hein. On va regretter. Canal DRS hein, de Gasly. Ouais, j'ai pneus éclatés, gros. J'ai les pneus tellement usés, il faut pas que je réaccélère comme ça. Là, ça commence à être dur. Hein. Salut James Cars, comment tu vas?
Je suis vraiment en train de penser au jeu d'horreur que je vais faire après. Si vous restez, les mecs, je vais me chier dessus devant vous tous. Je vais être timide, moi. Vivement. Je sais pas, Tommy. Je suis en perdition là. J'ai trop tapé dans mes gommes pour rester au contact de Hakon et du coup. Du coup, je suis dans la panade. Je sais pas, je t'avoue, tout ce qui est termes techniques pour l'instant, je m'en occupe pas trop. J'essaye déjà d'apprendre le jeu au terme de pilotage, Tommy. Donc je vais pas te mentir que. Que je ne sais pas. Tu perds un peu d'avance sur la voiture de derrière, ne te relâche pas. Oh la bosse. J'ai plus de gomme. Je n'ai plus de gomme. Ça sert à rien que je cise le DRS, le RS maintenant. C'est chaud les mecs. La fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Je vais m'arrêter au stand là. Hein. Putain, ça va être compliqué pour les points, hein, je pense. Hein. Je sais pas ce qu'a dit la prédicte que j'ai fait. Que j'ai faite. Parce que une prédicte. Je sais pas ce que vous avez voté les mecs, mais. Ça va être chaud pour les points, hein, je pense. Hein. Soit ils vont devoir s'arrêter, ils auront des médiums. J'essaie de gratter encore un tour. Essayer d'avoir les pneus frais, les pneus les plus frais à la fin. Les mecs, ça va être chaud. Ça va être chaud pour marquer des points là. Putain, je suis dégoûté parce que c'était bien qualifié et tout. Aïe aïe aïe. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 3,6 secondes. Parce que je perds pas encore trop de temps sur Tsunoda, donc c'est pour ça que j'ai envie de rester. Ces pneus là, je vais les détruire. J'ai pas vu que j'étais descendu 2 secondes du tout. Ok, va falloir que je rentre. Si tu tiens 2 à 3 tours de plus, tu peux même mettre les softs. Ils vont tous finir en médium logiquement. Hein. Ah, mais est-ce que les 2-3 tours, je peux me permettre de les prendre quoi? Est-ce que je vais pas perdre trop de temps?
pensez c'est quoi le mieux là? Faut que vous me disiez vite. Si je mets des softs ou si je mets... Si je tente de mettre des softs sur la fin ou si je mets les rouges tout de suite. Je perds énormément de temps. Hein. Moi je pense que les jaunes sont mieux mais après... 2 secondes 2, je perds tellement. Medium, ok. Esteban est à l'entrée des stands. Non! Non! Putain, on va se gêner? Oh, c'est la catastrophe. Putain, c'est la catastrophe. Ah, c'est la catastrophe. Non, non, flash, je flashback pas ça. Je flashback quand je fais des erreurs parce que je suis débutant. Mais ça, c'est un fait de course. On essaye quand même de jouer... comment dire, corporate. Eh, ça va, on est 11ème. On est 11ème, on n'a pas trop perdu. On s'arrête en même temps qu'Ocon. Peut-être que les 2-3 tours que j'ai gratté là vont peut-être nous aider. Eh, c'est marrant, ça tu vois, je flashback. Les mecs, c'est pour la track Nero Steam que je fais ça. On va essayer de viser le top 10. Faut que je remonte sur Ocon. Et 5 secondes 2. De... 4 secondes 8. Oh, on fond sur Ocon. On fond même. Oh, meilleur tour dans le troisième secteur. Quatre secondes 5. On fond sur Ocon. On fond sur Ocon. Allez. On améliore notre tour dans le premier secteur. Ah. Je vais faire le commentateur, mais je me foire. Quatre secondes 4. Bah c'est il m'a proposé de faire deux stops. Mais le problème c'est que j'ai eu une mésaventure avec Leclerc qui a abîmé mon aileron avant. C'est pour ça que ma stratégie est un peu décalée. 4 secondes 1. On améliore notre tour dans le deuxième secteur. Secondes 7, on a pris une seconde. Et meilleur tour. On signe le meilleur tour. Ah, je m'emballe. Allez, on signe le meilleur tour. On a le point du meilleur tour. Secondes 6 sur Ocon, allez. Le point de la 10ème place. Parce que la 9ème place m'a l'air un peu inaccessible maintenant. Secondes 5. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Notre retard. Arrête. De 3,4 secondes.
Drapeau jaune. Oh, on n'a pas gagné. Non. C'était de la Tifi. Mais comment ça, je suis à 56% au maximum sur ma pièce. Comme ça, je vais perdre de la puissance. N'importe quoi. Est-ce qu'on va réussir à décrocher cette 10e place? Donc on est à 3 secondes. Deux secondes 6. Deux secondes 3, les mecs. On revient très fort sur Ocon. Et Tsunoda, je crois qu'il doit encore s'arrêter, hein. Il me semble qu'il doit encore s'arrêter. Les mecs, on va peut-être finir 9e. À la place où on a commencé, malgré les mésaventures du début. On creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Deux secondes 3. Les mecs, je savais pas comment je suis à fond là. Deux secondes. J'ai la voiture qui a glissé. Une seconde 8. Ok, ok, Sora, je t'écoute. Allez, on est passé sur la barre des 2 secondes. Allez, Ocon, on revient très fort. Et sur Tsunoda aussi. Il y a peut-être une 9e place aussi à jouer, hein. Tommy. J'espère qu'ils leur disent ça dans le casque, hein. J'espère. Oh, j'ai perdu du temps là. Ah, est-ce qu'il est pas en train d'utiliser son ERS là pour essayer de me résister? Seconde 6, on revient. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,6 secondes. À fond les mecs, hein. Et Tsunoda, on est en train de revenir de fou sur lui, hein. Il va nous rester 6 tours, c'est ça le problème. Je suis un peu large. Seconde 4. Une seconde. Allez, on va peut-être avoir le DRS pour la prochaine ligne droite. DRS activé. Gagne une seconde
Et on sera pas inquiété derrière. Allez, les points de la 10ème place, les mecs. Putain, c'est tellement dommage parce qu'on avait pris une envolée de fou. Tellement dommage cette touchette avec Leclerc. Il est juste là, Ocon. Il est juste là, Ocon. DRS activé. DRS activé. Ouah, frère. Il y avait peut-être le team order. Hein. Donc, vu comment il a freiné tard. Il a défendu à l'intérieur. Il a défendu à l'intérieur, mais du coup, il est moins bien ressorti. Et en plus de ça, dépassement plus DRS. Ça touche à l'extérieur ici. Ça passe pas. On ressort mieux ici. Je me monte dans les rétros, mais. Mirage trop rapide. Pas cette ligne droite là, mais le prochain. Et en plus, on est en train de revenir sur Tsunoda. Tsunoda, il va être légèrement trop loin. C'est dommage que notre bataille là. Ah putain, je me suis tellement raté. Il freine tellement tard. Enfin, tellement tôt. On est mieux ressorti. On est mieux ressorti. À l'extérieur cette fois. Il résiste, Ocon. Ah, c'est bien joué, hein. Ah, c'est chaud. Allez, mec, pour ceux qui ont prédit que je marquerai des points, je suis obligé de le passer. Pour la track Narrow Steam. Oh, j'ai glissé sur le vibreur. On est mieux sorti, on est mieux sorti. On est mieux sorti. On freine assez tôt. Oh, il est à l'extérieur, Ocon. C'est lui qui a le DRS. Il a le DRS, Ocon, il a le DRS. C'est lui qui a le DRS maintenant. Ah. Faut que je mette le mode dépassement pour résister au DRS d'Ocon et après ça devrait être bon logiquement. Et on prend la place du point. Putain, je suis large ici. Oh, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Je suis très mal ressorti. Oh, je t'en dois repasser. Mais il va avoir le DRS. Non, c'est moi. J'ai le DRS. Non, ça m'a fait peur. Je vous jure, ça m'a fait peur. Merci Bjorno pour le raid. Merci à toi. Ça m'a fait sursauter dans mes oreilles. Enfin, ça m'a fait sursauter parce que c'était fort dans mes oreilles. Il va avoir le DRS. Il va avoir le DRS, Ocon, là.
Il va avoir le DRS. Et merci ABD du 7-5. Merci à toi. Ah, merci pour tous les follow. J'essaye de résister à Ocon, mais c'est chaud. Plus il y a tous les follow. Merci les potes. Merci les mecs, ça fait plaisir. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 6,3 secondes. Eh, c'est bon, cette fois. Cette fois, logiquement. Et franchement, pour une première fois sur un jeu F1, je trouve que c'est propre. Putain, mais c'est pas fini, il est juste derrière en fait. On n'arrive pas à... Ah, j'arrive pas à le décrocher, c'est le dernier tour. Non, ça va encore se jouer sur le dernier tour. Ça va encore se jouer sur le dernier tour. Oh, ça touche avec la roue arrière, on essaye de le tasser, en plus on a le DRS. Oh, ça touche de partout. J'ai le DRS, mais il a la spi. En plus, si je suis dixième, j'ai le meilleur tour du... J'ai le tour du meilleur... Enfin, j'ai le point du meilleur tour. Je sais plus parler, je sais plus parler. Faut que je lui résiste. Oh, j'ai glissé. Oh, les mecs. Let's go! Let's go! Ah, merci les potes pour le follow, ça fait vraiment plaisir. Ah, les mecs! C'était trop chaud! Oh, Tsunoda, mais regardez ma course! Je suis là, je suis en train de suinter de partout. Wouah! Wouah! Merci, franchement, merci infiniment. Infiniment, infiniment pour le raid. Kaylon, merci. Merci à toi. Non, oui, c'est toi, Kaylon. Merci pour le raid. Ça fait plaisir. Let's go! Let's go! Let's go! Ah, je suis heureux, frère. Je suis heureux. On peut. En ayant vu une course comme ça, on peut mourir tranquille. Évidemment, la prédit. Évidemment, la prédit. Évidemment, la prédit. J'y pensais, t'inquiète pas. La réponse, les mecs, c'est oui. La réponse, c'est oui. On a marqué des points. On a marqué des points. Let's go. Et en plus, on a le meilleur tour. Je suis heureux, frère. Je suis heureux. Let's go. Je suis tellement heureux que je vais boire un coup parce que j'ai soif. Merci les mecs. Merci. Merci. Ah, la course du jour, franchement, était cool. La course du jour, comme d'habitude, elle était cool. Ouais, et puis en plus de ça, je suis en train, alors, à côté, j'ai le taf et tout ça, donc j'ai pas non plus masse de temps, mais j'essaye de travailler encore des petits logos, voilà, sympathiques, pour que vous puissiez, avec les points de chaîne, les mettre. Ça fait plaisir, les mecs. Franchement, ça fait plaisir de fou. En plus de ça, un raid sur le sprint final, c'est incroyable, ça. Quel meilleur, y a pas meilleur timing que ce raid. Du coup, bon, il y a Gasly qui finit devant nous, donc ça fait un peu yesh. Il y a Gasly qui finit devant nous, mais on finit devant Ocon. Donc en vrai, on bat notre équipier, ça fait plaisir. Ouais, bah ça fait plaisir le petit raid en plus, c'est toujours sympa.
Ça fait plaisir de combler leur attente. Peut-être, mais il ne faut pas se relâcher. On va mettre ça. Peut-être, mais il ne faut pas se relâcher. Bah, tu sais quoi, Kaylon, hop, tu vas avoir droit à mon follow de ta part. Toc. Puis avec grand plaisir, je passerai sur ton live. Toc. Les gars, n'hésitez pas à follow Kaylon si vous voulez voir de la F1. Voilà, mon pote. En te remerciant pour le raid. Comme ça, je viens de découvrir une nouvelle chaîne, donc c'est cool. C'est worth it. C'est worth it. Selon vous, Aston Martin réalise une bonne performance cette saison. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'Aston Martin? Je te jure, je suis chez Alpine. Depuis quand on donne pas de la force aux ennemis, nous? On donne pas de la force aux ennemis. Vous exagérez, là. On a eu la sensation d'assister à un tournoi d'auto-tamponneuse aujourd'hui. Vous exagérez un peu, mais il va falloir calmer le jeu à l'avenir. C'était pas bien méchant. C'était pas bien méchant, frère. On a juste pété un aileron. Ça nous a niqué notre course, mais c'est pas bien méchant. Bon, plus 3, plus 3. Donc ça veut dire qu'on reste statu quo avec Gasly. On devient populaire, let's go. Donc ça veut dire l'argent, la drogue et les femmes. Et puis du coup, bah alors, mon prochain live, je vais vous dire c'est quand. Parce que là, on va partir sur le jeu d'horreur. Mais prochaine course, je vais vous dire ça tout de suite. Mon planning, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur le téléphone. Ça sera vendredi après-midi. Donc vendredi après-midi, par contre, on aura le temps de faire qu'une seule course. Donc voilà, en tout cas YouTube, j'espère que la course vous a fait kiffer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, commentaire, Discord, tout le tralala. Voilà, on peut discuter NASCAR, on peut discuter course, enfin F1, on peut discuter basket, on peut discuter jeux vidéo. Bref, n'hésitez pas à passer et puis voilà, des bisous YouTube et puis à la prochaine. Trompé, hop.